À Marseille, nous y sommes justement, à l'école supérieure maritime. Ces adolescents sont tous de futurs capitaines. Dans quelques années, ils piloteront des paquebots, des pétroliers, des cargos ou seront chefs des machines. Des postes clés. Mais pour l'heure, ils en sont à faire leurs premières armes en cours de navigation. Ils sont en première année et ont tout à apprendre. Alors regarde, et tu t'abîmes les yeux. Lève-toi un peu. Bon. Qu'est-ce qu'il veut dire, le rectangle ici, noir? Voir page 24. Ça te parle pas, ça? Si, c'est la même chose. Et là, on n'a pas plus zoomé. Et là, c'est pas mieux, là? Ouais, c'est juste que c'est un peu tassé. T'as des bons yeux, toi? Ouais, ça va. C'est pas comme ton binôme. Ah, ça va, hein. Je pose plus de questions. Hein. Si, si, posez des questions, au contraire. Il faut. C'est aujourd'hui. Alors, en fait, ils font une recherche de documentation pour couvrir la traversée qui est donc de Southampton jusqu'à Brest. Il faut qu'ils me sortent un listing complet des cartes. Ils prennent un bateau où il n'y a rien du tout comme document. Donc il faut qu'ils sortent tous les documents. Et le marin, pour naviguer en toute sécurité, il faut qu'il ait des cartes générales pour faire son calcul de traversée complète du point de départ au point d'arrivée. Et après, il faut qu'il puisse naviguer dans des endroits où il y a des zones qu'on appelle des zones en navigation en eau resserrée, donc des dangers qui sont un peu proches. Et là, il faut avoir des cartes plus détaillées. Un apprentissage de la navigation à l'ancienne, des bases qui doivent être assimilées vite pour accéder à des postes exigeants. Il y a même une certaine pression qui est mise tout de suite sur le fait que c'est nous qui aurons la responsabilité et que s'il y a un problème, même si on n'est pas présent au moment de l'incident, on sera forcément concerné. Et on a conscience et il nous le rappelle régulièrement que si jamais il y avait un incident, on serait évidemment mis en cause assez vite. Et voilà. On a une grosse responsabilité dans ce qui se passe à bord. La pression. Les professeurs préfèrent la mettre tout de suite, car elle n'est rien, à côté de celle que ces futurs marins subiront une fois sur les navires. Vous êtes à bord, vous avez des décisions à prendre, vous êtes responsable de votre personnel, vous êtes responsable du chargement, vous avez la pression du timing, vous attendez à la pression aussi de la consommation de carburant. Ça influe aussi, ça. On vous dit pourquoi vous êtes détourné, pourquoi ceci, nanana. Le titre « Seul maître à bord après Dieu » n'existe plus, c'est fini ça. Votre maître, c'est votre patron qui vous dit faut jouer la monte, vous avez telle personne à bord, il faut aller longer la côte. On a eu un exemple bien plus ancien, on est le Titanic. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait à tout prix avoir le record de la traversée de l'Atlantique, résultat. Il a eu le record de la plongée la plus profonde. Les élèves de l'école seront formés en 5 ans, mais entre-temps, ils auront aussi passé une ou deux années à naviguer. Une formation exigeante, où ils doivent apprendre à devenir ingénieurs, marins et chefs d'entreprise. Ces problématiques, Nils en a bien conscience, lui qui entame sa troisième année de formation. Alors, on sait que chaque marin, à peu près dans sa vie, connaît une à deux situations de crise. Donc on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, on va être confronté à un incendie à bord, à un abandon, à un échouement. Que ferions-nous dans une situation d'urgence? La théorie, on nous enseigne les bons gestes, les bonnes réactions. Honnêtement, on ne peut pas le dire. Si demain il y a un incendie, qui pourra dire je vais aller éteindre le feu? Ah, ça se passe bien? Oui, ça se passe relativement bien. Donc nous sommes en train d'embouquer Isla Maastricht pour entrer à Hong Kong. Ouais. La prise de pilote se fait dans 4005. On est en pilote automatique au 308, en consigne au 308. Johan et Jean-Édouard sont en cinquième année. Ils prendront la mer l'année prochaine, en tant qu'officiers d'abord. Puis ils graviront peu à peu les échelons de la hiérarchie. En attendant, ils naviguent dans des simulateurs. Cette fois, le logiciel simule la passerelle d'un grand bateau à passagers de 3000 personnes. Nous sommes en train de dépasser la petite embarcation de pêche qu'on a sur bâbord. Johan, tu prends le quart? Je prends le quart. Ok, très bien. À vous le soin. Mais on a le droit à l'erreur ici. Parce que, bon, même si après, on va se faire chambrer par les amis, mais entre guillemets, mais non, sincèrement, c'est très intéressant parce que justement, bon, bah là, si je m'échoue, bah, il ne s'est rien passé en vérité. Donc c'est quand même appréciable. Et puis, pour pouvoir essayer des choses qu'on ne peut pas forcément essayer en cas réel, parce que bah, justement, on ne va pas s'amuser à prendre un risque avec 3000 personnes à bord. Le vent forcit, la houle se forme. Les conditions de navigation sont musclées, histoire de leur faire vivre des situations de stress. On va la clearer. Oh, la vache!
Tu vas à gauche, hein, là, clairement, on se fait. Bah, clairement, je sais pas trop ce qu'on fait. Bon, moi, on se met à zéro, puis bon, je pense qu'on va pouvoir. Je crois que c'est simuler la conduite de ces super paquebots est une chose. Mais pour leur professeur, il y a un autre paramètre qu'il faudrait simuler. Ça, c'est l'Antarctique. Les conditions classiques. Ah, regarde. Il est en train d'augmenter les vagues. Un paramètre qui, selon lui, pose problème. Si maintenant on a plusieurs milliers de passagers, ce qui est le cas actuellement pour les plus gros, il va falloir penser, raisonner et simuler éventuellement une évacuation de ce personnel-là au cas où le navire soit contraint d'évacuer son personnel, d'affaire un abandon de navire. Et donc là, la problématique, elle est là. C'est est-ce que moi, je peux gérer 3000 passagers dans un navire qui peut sombrer rapidement ou chavirer rapidement. La problématique, elle est là.